Du coup, ouais, il faut qu'il s'affiche. Voilà. Alors le classement des constructeurs, alors on a Ferrari qui truste la première place grâce à un certain Kiwi Racing Baptou que je pense que vous connaissez. Et non, il est chez Force India, en Ligue 0. En X0 il est. Ah, en X0 il est Force Eh India. oui. Donc c'est pas lui. Ah Si bon, bah Ferrari marque j'ai. autant de points, c'est grâce tout simplement au magnifique Digino Live et les 4 à chaud, Ouais, nos les. grands pilotes. Ouais, c'est vrai que Force India a un peu manqué de. Un peu manqué le coche en Belgique, c'est-à-dire que. Bah, en même Baptou. temps, j'étais Ouais. ancien pilote Force India, donc bon. Baptou allait rattraper 4 à chaud, il a fait une énorme erreur dans Pouhon. Une erreur qui lui a coûté cher, c'est-à-dire l'abandon dans la deuxième course. Baptou qui est un peu shaky là sur les dernières courses, qui est toujours assez rapide, non, mais qui n'arrive pas à rester constant. Mais il est rapide devant, mais une fois qu'il est Ouais, derrière, une fois qu'il est derrière, on voit qu'il gère pas. Il gère c'est un peu plus laborieux. On va voir ce que ça va donner en Allemagne, un circuit où c'est assez facile de dépasser, mine de rien, avec pas. Oui, deux je zones de pense qu'il doit DRS, si avoir. je me trompe pas. Salut The Black Diamond 78, salut RF Alonso, désolé, vous avez pas dit bonjour. Mais voilà, maintenant je vous dis bonjour. Alors, pour le reste du classement constructeur, alors on a Red Bull seulement 6ème, ça m'étonne parce que. Parce que Horizon est plutôt rapide. Ça m'étonne qu'il soit seulement 6ème. Faudrait voir, faudrait. Ouais, Après, faudrait voir leur performance aujourd'hui, mais. Je pense que. voilà, il y a des joueurs avec et des joueurs sans Ouais, aussi, hein. des joueurs avec et des joueurs C'est sans, vrai qu'ils sont effectivement. rapides, mais il peut très bien y avoir un problème, un pilote qui se crache devant. Et mine de rien, en Ligue 0, Beaucoup de facteurs. ça arrive souvent, étant donné qu'on a des courses à 25%, et les pilotes ont tendance à être plus bourrins, parce qu'ils ont moins de temps pour Oui, attraper le plus de places c'est vrai possible. que c'est plutôt une ligue un peu plus calme, même si bien sûr, il faut quand même le prendre au sérieux, cette ligue. Parce que c'est une Ligue 0 qu'il faut se lâcher. Alors, on va afficher le classement pilote. Il nous reste 2 minutes avant que ça parte en live, je pense qu'on aura le temps. On aura Oui. le temps, on aura le temps. Alors j'attends que ça s'affiche, hein. Désolé, c'est un petit délai. Je sais pas pourquoi ça fait ça sur mon Non, téléphone tout c'est le bon, on temps. y va. Donc là, on peut voir sur le classement pilote, nous avons JB premier avec 238 points. Très très bon pilote, constant, hein. Il a marqué des points sur tous les GP, on peut le voir. Jamais abandon. Après, Digino Life qui est deuxième avec 211 points, donc seulement à quelques points de JB. Si Digino Life fait une belle performance, il peut passer devant. Babtou qui est troisième, Malgré ces malgré trois ses abandons, effectivement. et ses deux absences. C'est vrai que, enfin, on va dire son abandon en Belgique et son absence en Autriche. Après, HRZ quatrième, et il fait une belle performance aussi, 4 à chaud. Après Rookie qui est 6ème, parce que bien sûr, voilà, moi je ne compte plus dans le classement. Étant donné que voilà, j'ai On perdu mon permis, mais ne va pas en parler voilà. ici. J'ai quand même marqué 112 points, mais bon, voilà. Rookie 6ème, c'était fou. Bien sûr, 7ème, Arendem 8ème. Puis après, voilà. Pas tous ces cités, mais bon. Le classement. Seulement visé. Alors, il y a Marindem seulement 9ème. Ouais, il est absent. Ouais. Je me disais aussi que c'était. Maradem, Ouais, oui. il est Après beaucoup Maradem, absent je en Ligue pense que sa 0. priorité c'est pas la Ligue 0 à mon avis, donc Ouais. il est absent quand même 3 GP, 4 Mais GP de suite, donc aujourd'hui, il bon. participe. Donc, c'est un En fait, il prétendant à se la battra avec victoire. Babtou Voilà, et Rookie, on verra bien, parce que bon. sachant que l'Allemagne est un circuit que. Enfin, c'est pas un circuit que beaucoup de gens aiment, mais un circuit OZEF, quoi. Donc bon. Et Là, apparemment, ça va la session participer va là. se lancer, effectivement. On est pile poil dans les temps. Pile poil dans les Oui, temps. La 21h, session donc va voilà. On commence partir. à 21h, donc il n'y aura pas de restart. Bien, S'il c'est y bien. a un problème de connexion, de son, n'hésitez pas à nous le dire. On peut régler ça vraiment rapidement. Et moi, je suis en train de regarder justement le live au cas où, voir s'il n'y a pas de Est-ce que tu peux nous dire si on nous entend nous deux? Ça serait bien. Parce que du coup, je peux avoir le retour et problème. Ok, enfin, bah ça attends. va pas se. Sinon, ça va faire un effet Larsen dégueulasse dans le micro. J'ai pas envie que les viewers subissent ça. Du coup, oui, qualif en Oui, un c'est bon, tour. on nous entend très bien. Qualif Alors en oui, un voilà, ce soir, tour. qualif en un tour. On a bien Est-ce que tu peux aller sûr regarder la météo, s'il te plaît? Mario J'ai. Link qui est interdit de qualification. La météo pour ce soir, les qualifs, c'est dynamique, donc sûrement du beau temps. On La connaît course 1 éclaircie. le dynamique F1 RS, hein. C'est pas ça que. Oui, non, on connaît le dynamique 4 à chaud, c'est pas pareil. Non, Voilà, bah. course 1 éclaircie, donc normalement pas de problème. Et puis après, course 2 dynamique, donc, Là, prévoit de la pluie, on a pas de on verra pluie bien. pour les qualifs.
pas que pour les qualifs, Pour les donc qualifs, c'est. normalement, on va avoir Marioline qui devra normalement abandonner dès le début, donné qu'il y a interdit de qualif. Puis pour le reste, normalement, ils vont tous faire un temps. Si il ne faut pas de Et crash. on va partir dans quelques instants. On va partir dans quelques instants, histoire que Distance. tout le monde charge. Ça prend un peu de temps, Patrick vient de se réveiller, excusez-le. Le légendaire Patrick. Oui, après ça c'est aussi les serveurs F Master, hein, ils sont pas très très fiables. Ouais, on attend toujours beaucoup des fins de 2019. Hein. Ah, Et on voilà, peut ça voir qu'il manque commence. déjà. On peut voir déjà qu'il manque une McLaren. Ouais, il manque les McLaren, effectivement. Bah Gabon est absent, donc Alors qui manque on va se mettre en only board Il sur. manque Peugeot, il manque Yuko. Voilà, Peugeot. Très bien. Sur Horizon, tiens. Allez, on va se mettre en only board sur lui. Swat. Donc on a pour l'instant Rookie qui a la tête, celui de Stefou, de Gino Live au petit, Babtou qui remonte tranquillement, mais sûrement. Schumacher qui a sûrement dû couper à mon avis. Oula, Charzette qui coupe presque l'épingle, ça va lui faire Et perdre non, du je dis temps. une bêtise. Oui. Je dis une bêtise parce que je ne me trompe pas. Normalement Marioni qui a été remplacé, il me semble. Non. Et oui, c'est Stefou qui remplace Marionic ce soir, donc tout le monde va faire son temps comme c'est prévu normalement. Est-ce que tu peux checker si Maradem et À l'internet mon a du avis, gazon? Maradem, oui, a dû couper, je pense, parce que. Ouais, il a dû couper parce que 16ème, c'est deux Non. enfants encore. Oui, parce que Maradem est clairement déjà arrivé, donc oui. Maradem qui avait coupé, bien sûr. Maradem, Funboy, Basmo, Chumachev qui ont été trop gourmands sur les limites de la piste. On va voir après le reste des pilotes, tout ce qui est avec Stefou. Stefou qui s'arrête. Voilà, c'est bizarre. Et là, ça va commencer à devenir intéressant, mesdames et messieurs. Et donc C'est-à-dire moi. que la ligne droite après le premier vrai virage de ce circuit, bah, l'épingle qui s'enfonce. Comment dire, l'épingle est assez célèbre ici. C'est-à-dire qu'on a des fois on a des TP, des fois on a des TP qui sont juste dans Bon, cette les épingle, des TP, fois. c'est les bugs de cause, c'est Codemaster, c'est tout ça. Hein. Des fois on a des Après, freins, oui. des freins qui lâchent dans l'épingle comme par magie. Comme par magie. On ne reviendra pas sur le passé. Là, j'espère juste qu'on aura une course propre. Et je suis sûr qu'on en Voilà, aura une, donc pour le driver. classement, Rookie qui est premier, No Life 3ème avec 3 dixièmes. Donc, Rookie a quand même imposé son temps, hein, son rythme. Babtou 3ème seulement. À mon avis, une erreur de sa part, je pense. Le Gaulois JB Horizon, 4H Opti, Benji et Dikos pour le top 10. Benji, belle perf. 9ème, pas mal. Et après, donc les grands battus du jour, on peut dire que c'est éventuellement Schumacher, Maradem, Funboy, Basmo qui ont été trop gourmands. Effectivement. On va voir comment ça va se passer. À voir la stratégie qu'ils vont adopter aussi. Normalement, ils partent soit en soft, soit en medium, mais pas en super soft. Bon après, à mon avis, au niveau des stratégies, je pense qu'il y en a qui vont prendre la stratégie standard, je vais proposer, et peut-être d'autres vont prendre des mélanges plus tendres, s'ils contrôlent bien leurs pneus. Mais Après, comme j'ai ça. dit, c'est pas vraiment un circuit qui use les pneus, du coup. Oui. Donc À du part coup, peut-être ben. à la sortie de l'épingle où il y a peut-être de faire un, y a moyen de faire un peu de patinage et d'user un peu les pneus arrière, mais sinon il y a moyen de faire tenir les pneus tendres pas mal de tours. Oui, clairement, oui. Si on attend les pilotes. Et voilà. Et on est parti pour le tour de formation. En effet, Alors que on là, déjà va Valmore qui a quitté la en session. profiter pour. Ah, Valo a quitté. On va profiter pour activer les données autour, la Oui, télémétrie, tu fais bien de me activer les rappeler. pneus, Tu fais bien de me rappeler. l'écart en intervalle, bien sûr, et la caméra en vue extérieure pour le départ. Bien sûr, ne pas se mettre en caméra embarquée. Ouais. Pour le plaisir du staff, ensuite réunion pour les pénalités. Ah, et Valou qui nous indique qui nous indique plutôt, pardon, dans le général que son jeu tourne à 3 FPS et qu'il a fait la qualif dans le menu. D'où sa place quand même assez basse. Oui, effectivement.
Alors, il faut des trucs que je change. Alors, oui, comme je Oui, disais. Ah non, Marden qui part en ultra soft. Fanboy devant lui qui part en soft. Et Stefou qui part en soft. Alors qu'on a. Ouais, on on a a un peu. Rookie, DJ No Life. Ça part un peu en Mais live, je suis désolé. oulala. Voilà, C'est. ok, d'accord. Donc c'est très bien. C'est un restart session. Restart On avait session. compris. Restart Attends, 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 session. Je attends. quitte Non, pas, je peut-être quitte pas. pas. Je quitte pas. Attends, j'ai peut-être dit une bêtise. J'ai vu Marden qui a quitté. Donc Bah, y'a ah oui, tout, y a Marden qui a tout, dit la tout le monde vérité. qui quitte, du coup. Voilà, restart, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, pouvoir relancer le jeu. J'ai. On va attendre que nos lives nous redonnent leur vite. Les restarts, c'est légion, hein, j'ai l'impression. Ah mais oui, mais normalement les restarts ont lieu que quand le jeu, que quand on commence tôt. Là, on a commencé à la pile à l'heure, donc étrange. Du coup, ça tombe bien, j'ai peut-être loupé que la course, moi, enfin que les qualifs et pas la course. Ça pourrait être peut-être bien ça. Est-ce qu'on interviewe quelqu'un? Est-ce que je pense qu'on a le temps? Si je pense qu'on a le temps, why not? Oui, on a largement le temps. Enfin, Allez, faut voir, peut-être je non, puis on va attendre. Bah, je sais qu'il y avait Rickel qui était chaud, mais après, est-ce qu'on a vraiment le temps? Je vais lui demander. Mais Par mesure de sécurité, j'essaierai de pas le faire. Mais. oui, voilà, bon, on va attendre, on va attendre. Mais Rickel, oui, sur le Discord, il est chaud pour passer. Attendez, je Sûrement, fais. sûrement le faire passer pour la course 1. Je fais juste un truc, vous allez pas nous entendre pendant 10 secondes, c'est normal, hein. Voilà, normalement vous entendez, là, c'est bon. Ouais, j'arrive. Alors qu'on est en spam d'invite. Spam d'invitation Discord, enfin Sim. Le staff au taquet qui spam. Oula, on entend beaucoup mon ventilateur dans le micro. Attendez, je vais essayer de le. Désactive. De quoi? Non, t'as des boucouteries dans mon micro. Non, on entend beaucoup le ventilateur de mon PC dans mon micro. Je vais essayer de le reculer. Attends, y'a un problème là. Non. T'entends un écho un petit peu sale là. Ouais, c'est. J'ai fait n'importe Ah, quoi, mais c'est bon. désolé. Bon sang. Ouais, là, j'ai reculé le micro à mort parce que je viens de me rendre compte qu'on entend beaucoup mon ventilateur dans le. Je voulais voir un truc. C'est quoi? Mais Yoko. Yoko est-il mort? Yoko est-il mort? Je ne pourrais pas te le dire, mon cher driver. Ceux qui sont sur le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On a le temps d'y répondre là. Moi et mon acolyte Driver, c'est 6 de 2. 76, 22. Non, 2-0. Ah, désolé, sur Twitch, il y a marqué 76, 22. Oui, sorti chez 22, oui. Est-ce que le 2-0 était déjà pris? Merci aux 17 viewers qui sont là. C'est moins que la Liga, mais c'est toujours ça. J'essaie de voir quand même très silencieux. Très silencieux. Faut dire que je ne suis pas le plus. Le commentateur le plus enjoyant du monde. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va s'améliorer au fil de la course. Le temps 21h10. qu'on ait des actions. Bon, au final, je peux peut-être que la qualif, hein. Je sais pas, faut voir. Toujours pas de questions. Bon. On va voir ce qui se passe sur Discord. Après, on peut se faire un ni oui ni non. Ni oui, ni non. Bah, ça aurait été sympa avec les viewers, mais là y a personne. Enfin, la personne parle sur le chat, donc. Mais entre nous. Entre nous, pourquoi pas, mais je suis pas très fort à ce jeu. Je suis pas vraiment fort à ce jeu.
Bah faut juste pas dire et Ah, je vois. Sinon ta journée était bien. Bonjour Kuzai. Salut. J'espère que tu vas bien. Salut Kyuzei. On félicite pour un événement très heureux qui lui arrive aujourd'hui. Oui, peut-être pas le dire quand même, c'est sa vie privée, mais il y a eu un heureux événement aujourd'hui. En tout cas, je tiens à dire que les frites moisies, c'est très bon, mon cher Kyuzei. Il faut essayer. Pas l'air d'avoir trop de mouvement sur le Discord. Non, ils sont plutôt calmes. Mais tant qu'il n'y a pas de crash, ça reste calme. Dès qu'il y aura un crash, là ça On va. l'espère pas, monsieur Ça va Driver. fuser. On l'espère pas. Ça va fuser. Est-ce que tu peux me rappeler pour qui on fait le restart déjà? J'ai complètement oublié. De quoi? Est-ce que tu peux me rappeler pour qui on fait le restart? Car j'ai complètement zappé. Et sur mon Ok, bah EDX, parce que j'ai la mon session DPC repart. en carton. La Et non, session je repart. rigole, La session parce que repart. je vais La faire session repart. 2018. Oui, t'inquiète. De toute façon, on ne peut même pas mettre prêt, donc voilà. La session repart. La session repart. La Et session repart. La session non. repart. C'est sûr. Et là, et fin 2018, vivement, qui sera remplacé par le 2019. Ça m'en fout peu, hein. Il sort le 25 juin. Que vous prouvez F1 2019 que vous pouvez d'ailleurs précommander sur le lien Instant Gaming Avec le lien Instant Gaming, bien sûr, pour beaucoup de boulesses. Parce que, bien sûr, Catracho, il aime l'argent. que Monsieur Kyuzai se fera plaisir de vous donner Donnez toute votre dans paye, le la paye de votre chat. grand-mère, de votre mère, de votre père, sur le live, bien sûr. N'hésitez pas. Le lien. On veut votre argent, c'est très utile pour nous. Voilà, hein. C'est-à-dire que moi Ici. hier j'ai acheté 3 Mercedes grâce à votre argent. Il faut savoir que Catracho a un gros ventre, il aime bien manger dans les restos luxueux, donc hein, faut pas hésiter à donner de l'argent. Non, évidemment c'est faux, hein. Ça va nous aider à développer la ligue pour les lots de fin de saison, pour motiver les pilotes qui courent avec nous, qui courent sur la ligue. Évidemment. Et si vous êtes pauvre, bah suivez, enfin mettez un follow Donnez-nous une frite moisie, sur ça marche aussi. le frites moisies, oui ça marche aussi. Non, mais l'amour déjà, de l'amour c'est déjà très très bien. Incoming en 2020, l'émote frites moisies, j'annonce, je suis un visionnaire. Alors que ouais, on est sur le La site. session reprend, donc la ligue, classement a déjà été. Ce sera que la course. On va voir que le C'est Gaulois bien. est au taquet tandis que les autres sont en train de s'endormir dans leur baquet. Je viens de me rendre compte d'un truc. À chaque fois qu'on est Oui. dans le chargement et qu'on tombe sur le circuit, c'est toujours le même gars qui Oui. parle et dit toujours la même chose. Et genre, enfin, c'est une boucle. Genre, c'est une boucle De de quoi? qui dure. Tu n'entends pas le gars qui parle dans les speakers là? En allemand? Genre dans le jeu. Tu l'entends, non? Ah oui, d'accord, oui, il dit la même chose. Et genre, il dit tout le temps la même chose. Et on peut voir qu'il est pas très original, hein. Oui, mais. Allez, tour de chauffe. On en Bref. profite pour bien sûr activer, voilà, tout ce qu'il faut, bien sûr. Effectivement. Donc les pneus, la télémétrie, le dynamo, Carat, des l'écart pailles, intervalle. des pneus, Et des si contrôles. les personnes veulent savoir d'autres infos, on pourrait les donner, bien sûr. Effectivement. Par exemple, tout ce qui est meilleur tour, l'écart avec le leader, les arrêts, les changements de position, on pourrait les donner sans problème. Alors, On a déjà The Raven et Maradem qui nous font. Ok. Kusa qui me dit Provençal Resport, je sais pas pourquoi pour le coup. Parce que il troll, hein, bien sûr, en disant que c'est lui qui a été le premier à mettre prêt, alors qu'en X0, il n'y a pas besoin de mettre prêt parce que les setups sont fixes. Effectivement. Donc, pas de soucis sur ça. Avec Alors, ce que je te monsieur. propose pour le départ, une idée que j'ai eue quand même pour dimanche, c'est de te mettre sur le premier. Et plus il passe le Nordkurve, donc le virage à la con là, en chicane, et plus tu descends les pilotes. Comme ça, on voit la globalité des On m'a pilotes. demandé de me mettre sur le milieu de la grille, du coup je sais pas qui doit écouter. Ah, bah, oui, après, moi, c'était ma technique. Genre, toi, tu te mets sur le premier, et puis plus il passe les virages, et plus tu descends, comme ça, tu vois Ce tous qu'on les va pilotes d'un faire, coup, sans c'est qu'on va problème. couper la poire en deux, je vais mettre sur le cinquième et je vais descendre. Non, tu te mets sur le dixième, au pire. Non, parce que tu me dis de me mettre sur le premier et je prends ton avis en considération. C'est vrai que c'est pas con, parce que ça va nous permettre de regarder plus longtemps
Plus longtemps la grille qui passe au premier virage, du coup on se met sur le cinquième et on va descendre au fur et à mesure. Voilà, oui, le cinquième, oui aussi. Du coup on a nos lives derrière Rookie, deux pilotes très rapides, très constants, qui font presque jamais de crash, on a Baptou derrière eux. Ça va être chaud. On attend pilote que... presque constant qui fait presque pas de crash, faut presque, tout, hein. Presque. Mais il est très rapide, faut pas le sous-estimer. Personne ne le sous-estime, oui, si je pense. Oui, oui, bien sûr, c'est alors... le et on a Funboy en soft, tandis que les autres sont tous en ultra soft. Oui. Alors la grille finit de se former. On attend RF1 qui arrive. Bon dernier de la grille, il va essayer de remonter, on sait qu'il est rapide. Alors moi je vous dis de monter le volume plus que jamais et rendez-vous au premier virage. C'est parti. C'est parti, donc on a un bon départ de Valou au fond de grille, on peut voir. On a déjà des TP. C'était plutôt propre. Ouais, plutôt propre. On est passé sans problème. Oui. On a nos lives qui ouais, prend déjà la peau. On a Basmo, on a les trucs, c'est Basmo, enfin la Renault qui ont failli se toucher là. Enfin qui sont touchés d'ailleurs. Alors on va essayer de remonter un peu sur les premiers. Et on a Rookie qui. Ouais, Rookie qui est déjà devant nos lives, qui se bataille avec nos lives derrière. Voilà, Benji qui se TP beaucoup. Mais ça a l'air d'être. Et regarde, là on a les trois, on a les trois devant qui sont oui. Dans un mouchoir de poche. En effet, gros dans roue. On a aussi du 5ème, de toute façon du premier au 5ème, hein. Non, du premier jusqu'au peu près 10ème, c'est très 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 serré. Pas tout qui sont un peu large. Pour l'instant, pas d'accrochage ouais, en vue. Vraiment propre pour l'instant. Pas d'accrochage en vue, on peut rien voir parce que bien sûr on a que les flèches. C'est pas les écarts. Et mine de rien, Rookie qui commence à mettre un petit écart à nos lives, Baptou qui est plus. Il est en train de s'envoler, donc Baptou, il faudra qu'il se réveille maintenant si il veut éventuellement se rapprocher. Qui sort déjà live, qui sort déjà large. Oula, drapeau jaune. Drapeau jaune ou ça. On a The Raven sur Maradem, je pense que c'est proche. Maradem sur Redicos, du coup. On a aussi Valou, Maradem qui est juste dans la ligne droite derrière, qui va le passer assez facilement sans le DRS. De toute manière, il y a des batailles de partout. Non, de il a. Partout. Il a plein de... On a Maradem et Dikos, on a Edrix, Valou. On a après, donc pour moi, celle de Gola qui gagne pas. Il va pas, Maradem. Il va sortir un peu plus vite, il est à l'intérieur. Dans le virage après Pong. Passe assez facilement. Et qui bloque un peu les batailles. Très très beau. Benji qui dépasse le petit me semble. Oui. Oula, on a Benji, Edrix et Opti qui sont en train de se battre là. Valou qui passe Opti. Benji qui sort un peu là, on a ça de. Après, on a un peu dans ça, 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 la qualité du stream. Ah, parce que là t'as une qualité qui est en mode. J'ai essayé. Arrête, t'es en 1080p là. Ah oui, d'accord. Oui. Bah, désolé, Rafi. On a Stefo qui a le DRS Store Opti. Il en profite pas parce qu'il reste en RS2. Ah, et Drix qui va aller. Oula, Baptou qui dépasse Digino ouais. Live. Alors qu'on a, oui, on a. Voilà. Le Gaulois qui dépasse en charge des 4 à chaud, désolé, il y a beaucoup de batailles là, c'est difficile de. Ah oui, il y a beaucoup de batailles là. Il y a Hydrix et Valmor qui est repassé devant Benji, je comprends pas pourquoi. Ouais, ils ont sûrement Benji, lui, il doit avoir peut-être un problème où il est pas concentré, mais en tout cas, c'est sûr que. Il perd beaucoup de place, Benji. Parce que Hydrix est. Il fallait revenir à sa place initiale. Hydrix est repassé devant Benji et Benji qui se retrouve à se batailler avec Valmor. Si on regarde les places gagnées. On a donc Edrix qui a fait la meilleure performance, 6 places de gagner. Effectivement. Et la plus mauvaise, c'est Etikos qui perd 7 places. Non, Rikel qui perd 8 places. Voilà, drapeau jaune. Et c'est Valou Valmor, Valou, oui. Valmor qui est en train de. Valou qui est en train de tondre l'herbe. Ouais, Valmor qui nous fait une Kimura Konen, attention. A mon avis, il a dû glisser dans le célèbre virage là où on glisse tout le temps. Oui. Bon, voilà, bah, du coup, Valou. Qui se retrouve 19ème. Et Benji qui est déjà au stand, au tour 4. Oui, en effet,
Belgique est rentré au stand, c'est vrai. Il a mis des jaunes, je pense que c'est pour aller à la fin, je suis pas sûr, j'ai jamais joué en 25-30. Non, je pense que il va faire jaune et puis après il va mettre un autre train. À part s'il conserve bien ses pneus, mais bon. Je ne pense pas. Non, on va essayer de se mettre sur... On a Horizon... Non, on a Babtou qui est juste derrière Rookie qui lui remonte dessus. Oui, il est encore assez dixième, on a le temps. On a JB, 4H Horizon qui sont dans un mouchoir de poche. Oui, effectivement. 4H JB. Oula, c'est proche là, 4H. Oui, il va essayer de lui mettre la pression. Sur live, mais bon, c'est clairement un dixième et pas une seconde. Et puis autrement, au moment où chaque pilote arrive à se mettre un petit gap. Babtou toujours à 7 dixièmes de Rookie, je fais surveiller ça. Moi je suis avec 4H et JB. On a 4H JB déjà qui sont très proches. 4H qui essaie de se montrer dans les rétroviseurs, là c'est ce qu'il faut faire. Les deux sortent pas large. On essaie Dikos. Et Dikos qui est out. On va essayer de... Il est out et je l'ai vu, Ouais, on l'a vu. Mets-toi sur Rekel. Ouais, j'ai vu avec Benji. Oui. Oh, il est à gauche. Il est à gauche, vous l'avez vu. Ah, malheureux, malheureux. Et il faut savoir qu'il joue avec un plâtre, hein, du coup, ouais, c'est pas facile. Ah bon? Ouais. Il l'a dit sur le Discord, il joue avec un plâtre, du coup, c'est bien tenté. Ah, alors qu'on a, on a deux... stand. Oula, c'est, ils sont à trois de front dans l'épingle, là. Ils sont à trois de front. Oui, en effet. On va essayer de se mettre en extérieur. 4 Basmo qui rentre. 3 de front. Voilà, Basmo qui rentre au stand, qui change d'aileron, qui met des pneus jaunes. Oh, à l'intérieur, qui passe à Cher Z, qui l'a presque pas vu, et qui le sort à l'extérieur. Et HRZ sur JB. Et HRZ qui perd deux positions dans l'opération. 4HO qui commence à s'envoler. C'était musclé mais propre de la part de 4HO. Et c'est Edric qui en profite. Edric qui revient aussi. Pas oublié. Oui, Edric qui revient effectivement. Bien observé, mon cher driver. Et on a après éventuellement Marindem au petit. Enfin, ils sont encore loin, mais. Marindem qui remonte tranquillement. Alors qu'on a JB au stand, JB au stand. Ça rentre au stand, JB au stand, Provençal au stand. Rookie live, le Gaulois, JB au petit. Oulala, Marindem. Ah, mon jeu a crash, mon jeu a crash, je vais demander de faire une. Comment dire, une. Une diffusion Steam, comme on l'avait fait avec Schumacher. Quoi? Ah, d'accord. Mais ouais, mais c'est que j'ai passé un peu de temps. C'est ça le problème. Bah tu laisses juste le jeu. Mais, relance le jeu. Ouais, mais j'ai commenté en attendant. Le truc c'est que... Comment dire... ils peuvent pas m'inviter dans la session, c'est ça le truc du coup. Attends, moi je peux peut-être t'inviter moi. Ouais, je sais pas. Tac, tac, tac. Est-ce que tu peux m'inviter? Que je t'en ai... Oui. Non, tu vas pas en ami, attends, je vais te... C'est les deux. Désolé, encore le même problème que la dernière fois, ça m'était pas arrivé. La fois que en effet, fait, je ne t'ai pas en ami. Je vais t'envoyer mon Steam directement. Pendant ce temps, on a Babtou qui rentre au stand. Suivi sûrement de 4HO, NRX, Stefo qui suit le mouvement aussi, Horizon, voilà. Donc les 5 premiers rentrent au stand. Que savoir où est-ce qu'ils vont ressortir. Babtou. Voilà, Babtou qui ressort. Très loin derrière Roux. Ah, et Babtou qui ressort devant Rookie. Très belle performance. Babtou devant Rookie. Alors, Rookie, est-ce qu'il va en profiter vu qu'il y a les pneus chauds? Je t'ai envoyé mon Steam en MP. Espérons en priant pour que tu puisses me réinviter. Ouais, on priait Sainte Marie Jésus. Sinon, c'est sûr que là, c'est problématique. Oi, oi, oi. Juste le bug arrive au mauvais moment. Hein. Bah le truc c'est que ça m'était arrivé la dernière fois, j'avais trouvé un fixe, mais là c'est revenu, je sais pas pourquoi. Le téléphone qui sonne, c'est la panique, Panique à bord. Est-ce que t'as essayé de voir si tu peux me réinviter dans la session? Attends, déjà faut que je t'ajoute ton ami. Ouais, je t'envoie mon lien. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon là ou pas? Ouais, c'est bon. Rejoindre la partie. Je peux rejoindre la partie.
Tu peux rejoindre? Oulala, j'ai transpiré pendant un moment, mais je peux rejoindre la C'est partie. parfait, voilà. Donc moi je vais y aller parce que faut que j'aille chercher ma soeur, donc bah, à tout à l'heure. Tout à l'heure, Désolé cher pour le driver. live. Et oublie pas, il y a Rickel qui veut live, hein, qui veut passer en live. Ouais. Voilà, un bisou à toutes. À toutes. J'espère qu'on n'aura pas raté trop de trucs normalement, non. Normalement, non. Un driver qui vient littéralement de nous sauver la vie là, on pourra le remercier après le live. Alors on est revenu. Rien ne s'est passé, je vais remettre la télémétrie. On a Rookie qui est devant Babtou là. Je pense qu'il était déjà. Il était déjà devant lui. Et c'est bon. Alors qu'on a Provençal et Funboy là qui sont déjà arrêtés, qui sont en train de se batailler. On va se mettre en le board un peu avec Provençal, nouveau pilote sur F1 RS, pilote très rapide de ce qu'on a vu en Liga. Il sort un peu large dans l'aspiration de la. Enfin dans l'air sale de la Williams. Il coupe le virage, du coup ça lui donne 3 secondes, ouais je le sentais venir. On a souvent cette pression quand on est derrière un pilote. C'est fou 3 secondes aussi, j'avais pas relevé toutes les pénalités, mais c'est vrai que sur ce circuit c'est facile d'en avoir. Hein. Là le DRS, il va essayer de se concentrer pour Provençal, on sait qu'il peut rattraper cette petite erreur. Il va le passer assez facilement, après l'épingle. De voir si il n'y a pas d'autres batailles. Bon, on a CharZ qui a 3 dixièmes de JB et JB qui a 7 dixièmes derrière Aldrix. Faire attention à pas trop taper les pneus hein, parce que c'est pas un circuit qui tape trop sur les pneus, mais on se retrouve vite derrière une autre voiture à rester bloqué, à bloquer les roues, à avoir de l'air sale, à avoir moins d'appui. Et c'est un circuit vicieux, du coup, attention. Reste plutôt propre, fais pas d'erreur. Toujours à 3 dixièmes, normalement il pourra avoir le DRS et le RS5. Combien de RS à JB? Il en a 2, du coup il va se faire manger. Il va se faire manger dans la ligne droite. Quoique, il reste à l'intérieur, JB, ouais, JB, il arrive à rester, c'est biscuit propre encore une fois. C'est très bien joué de la part de JB, qui lui laisse le minimum d'espace possible. Hein. Vraiment, on sent l'expérience du pilote Williams. Et ouais, HRZ qui est à l'intérieur, mais JB, wow, c'est magnifique entre les deux là. C'est waouh. Les deux qui se respectent beaucoup, qui se laissent juste le minimum d'espace, qui jouent au chat à la souris, mais JB qui en sort vainqueur. Et du coup, HRZ qui se fait rattraper par les deux Renault derrière. Les deux Renault qui jouent à se donner de l'aspiration. Hein. On va pas se batailler sur deux stratégies différentes. D'ailleurs, je pense que c'est fou, on va laisser passer Marindel dans la ligne droite. Ou dans la ligne droite d'après. Quoique. Quoique, attention, hein. HRZ 3 secondes, c'est dommage. C'est dommage, j'ai été plus rapide que JB devant lui. Ça l'énerve un peu visiblement. Ouais, alors qu'on a Edrix devant qui va passer Funboy assez facilement car il s'est loupé. S'est loupé à la sortie du premier vrai virage du circuit. On a JB juste derrière qui va y aller, il y va. JB il est JB, en il feu passe là ce soir. Il y va, il le passe. C'est pas si on consigne l'équipe, mais en tout cas, on passe devant son coéquipier de chez Williams. JB qui est assez rapide, qui va peut-être aller chercher Aldrix, qui sait. Qui sait, qui sait? Alors que devant on a Babtou toujours 5 dixièmes derrière Rookie, on se surveille, il va. Écho, désolé.
Non, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir d'écho, mais le son de mon retour est coupé. Je vais checker ça 2 secondes. Je pense que c'est parce que tu avais le live ouvert 2 fois. Ça arrive souvent. Ah, je suis désolé Paul File, mais je peux pas faire quoi. Enfin, je peux pas faire autrement. Si je me mets en push to talk, je vais oublier de parler dans le micro. Du coup, va falloir résister à la tentation de fermer le live. D'ailleurs, si vous avez des questions, messieurs, Mister Falsa, c'est Monsieur Paul File, vous pouvez les poser dans le chat, qu'un souci. Alors qu'on a 4 à choix, 3 dixièmes de Provençal, on va se mettre en board avec lui, Winter. Qui est un peu reculé et glisse un peu, il est un peu mal à l'aise avec ses pneus, j'ai l'impression. Babtou toujours à 5 dixièmes, il a pas l'air de se rapprocher. Ouais, effectivement, comme le dit Kyuza, il n'existe que ce passé. 3 secondes de pénalité pour Benji. C'est bizarre, j'ai pas l'impression, enfin il a l'inspiration Babtou, mais il a pas l'air de plus remonter que ça dans la ligne droite. 4 à choix quitter la session. 4 à choix quitter la session du coup et à son fantôme, mais je sais pas ce qui s'est passé. C'est dommage, pourtant ouais, je le vois se reconnecter dans mes amis Steam. Ça serait. Ouais, du coup JB lui remonte dessus. C'est vraiment dommage pour 4 à choix, il était 5ème. Dommage. Et du coup c'est passé partout le monde. Hein. Le bot du jeu qui est assez lent. Kyuza qui nous dit Rookie is a god, an old force and their god. Pray for this pink. On va pray for le pink, t'inquiète pas. Je vais mettre sur Babtou qui lui est dans le pink actuellement. Toujours en contact, hein. JB 3 secondes, ça le place derrière Hydrix pour l'instant. Ça le place derrière Hydrix, je sais pas si Hydrix a des pénalités, j'ai pas prêté attention, je suis désolé. Ouais, du coup c'est dommage pour 4 à chaud. Hein. Il essaie de se reconnecter mais ouais tout le monde le passe, dommage. HRZ qui passe à Drix, ils sont 3 de front là. Désolé c'est un peu confus. Mais Hydrix et HRZ qui sont toujours en train de se batailler. Marantem 3 secondes, où est-ce qu'il est? Ouais 3 secondes, c'est sûrement le bot qui lui a gêné, je sais pas. Non il est derrière lui, du coup c'est pas ça, c'est simplement une erreur. Et pour l'instant, il est. Ouais, ça le place derrière au petit aussi. Hydrix toujours derrière JB et Horizon toujours derrière Hydrix. Alors qu'on est à 2 tours et demi de l'arrivée. Et au petit 3 secondes, du coup, ça le replace derrière Marandel pour l'instant. Alors que ces 3-là, je sens que ça va se batailler sévère à la fin. Les deux ont le DRS là, chargé de Hydrix. JB pas du coup, ouais. Hydrix qui est très proche là. Très proche, qui glisse un peu. Il est agressif sur le. Ouais, du coup, sa sortie est nulle. JB qui a 3 de RS. Mais là, le DRS, du coup, à voir. Je pense pas qu'il puisse le remonter dessus. Mais dommage là, parce que le début de sa sortie était bien, mais il a eu du patinage à la fin. Du coup, ça l'a un peu compromis. Et HRZ qui est à l'extérieur, qui va essayer de le faire. Et qui va tenter le cutback. Mais là, je pense pas que ça va passer. Il a 1 de RS. Il va jouer le long game, il va essayer de l'avoir à l'usure, même s'il reste que 2 tours et demi. Enfin, il farme le RS là, il est dans son aspiration, il va essayer de farmer le RS pour les lignes droites qui restent.
Alors qu'on a Rookie. Non, Babtou qui a passé Rookie, désolé, j'ai pas du tout vu. Est-ce que c'est une erreur de la part de Rookie? On essaiera de lui demander, mais. Désolé, j'ai pas du tout vu. J'ai pas du tout vu. Je suis désolé. Pour le coup, la bataille entre Adrix Horizon et JB m'avait trop captivé. Est-ce qu'il va pouvoir le repasser, sachant qu'il y a un retard à la terre et que Babtou Babtou FDRS est à charger 3 secondes, du coup ça le replace. Ouais, ça le place loin des deux devants. Alors que justement, les deux devants, tout en train de se batailler, se lâchent pas là. Leur pneu commence à être usé, attention à ne pas faire une erreur. Ouais, JB qui prend l'intérieur, classique. Alors qu'on a Cher Z au milieu, attention. Ouais, il a freiné un peu plus, histoire de ne pas les éviter. Heureux, The Black Diamond. Les vitesses ont tendance à se passer un peu plus tardivement. Alors qu'on a. On a Hydrix sur l'extérieur, magnifique. Magnifique Hydrix. Pour répondre à ta question, les vitesses ont tendance à se passer un peu plus tardivement qu'on est en spectateur. Mais les pilotes les passent tard pour la plupart. Certains. Hein. Et du coup les deux combinés font qu'on a l'impression que ça se passe vraiment tard. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 3, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a l'air de rien avoir. Alors on a Benji derrière Funboy. On va voir ce qu'il peut faire. Il lui reste un tour pour essayer de faire quelque chose. Bonsoir, bonjour Celsius. Comment ça va Celsius? Ouais, Maradem 3 secondes encore et ça le passe derrière Opti. Et ouais, Benji qui coupe encore. Ouais, ce premier virage, c'est un assassin. Hein. C'est un assassin sur les pénalités. JB 3 secondes, je pense que c'est aussi son premier virage. Benji qui se rate, bah, il se loupe et il grille toutes ses chances de passer Funboy. Ça va Celsius, merci. On a une bonne course de Ligue 0 là, en ce vendredi soir. Ça va très bien. Alors qu'on a Rookie à 3 dixièmes. Toujours, ouais, ils vont finir. À voir si Babtou a pas de pénalité, mais normalement non. Et du coup, c'est une victoire de Babtou en Ligue 0 pour la première course. Il est content, ça faisait un peu quand même longtemps qu'il n'avait pas gagné. Ça fait du bien. Victoire de Babtou, victoire de Force Indians dans cette première course, suivie de Rookie et de No Live. No Live un peu loin. Rookie et Babtou qui ne sont pas lâchés. Hein. Faudra les suivre pendant la course 2 quand ils vont remonter le trafic. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une deuxième course en grille inversée, c'est-à-dire que les premiers partent dernier. Mais bon, là, le premier partira avant dernier, sachant que Zikos a abandonné, du coup. C'est Zikos qui partira dernier, si je me trompe pas. Et du coup, on a Opti qui repasse devant Sifu et Marindem à cause des pénalités, c'est ce que je pensais. Hydrix qui finit devant JB HRZ. Bien joué à lui, son move sur JB au tour 7, si je me trompe pas, était magnifique. Et Kyuzai, hein, le manager Force India qui exulte, alors qu'on a les bots qui font n'importe quoi, comme tout le temps. Hein. Les bots qui font n'importe quoi. Alors qu'on va partir pour 10 minutes de pause de points. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... merci pour le tir, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, alors que nous on va partir pour une pause. Alors, merci pour le follow. J'ai pas la notification dans le chat. Alors oui, c'est Celsius qui vient de donner 5€. 5€, merci, merci Celsius. Ton argent va nous aider à... ouais, t'inquiète pas Celsius, j'ai vu. Parce que ouais, les notifications prennent un peu de temps à s'afficher sur mon écran. Merci Celsius pour tes 5€, ça va nous permettre de développer la ligue pour les lots de fin de saison. Pour d'éventuels futurs projets, je sais pas, je suis pas dans l'exécutif de F1RS, mais merci, ça nous aide beaucoup. C'est apprécié. Merci Celsius. Alors moi je vais vous mettre ça, on va partir pour 10 minutes de pause si je me trompe pas. 10 minutes de pause, ouais, je vais en profiter pour boire un petit quelque chose et manger un petit quelque chose parce que j'ai la gorge assez sèche. Voilà, j'ai dit. Les chaussettes de l'Arcée du 7 sont... vous avez compris. Du coup, moi je vous reprends quand la deuxième course va recommencer. À toutes.
Rebonjour tout le monde. Alors on a un pilote qui va passer en interview, c'est Marandem, vous le connaissez. Je vais le move sans lui demander, hein. Salut Marandem, attends je te mets les droits. Je te mets les droits de zone. Désolé de t'avoir move comme ça, hein, c'est. Je vais enlever ça pour histoire qu'il n'y ait pas d'écho. Je te mets les mou, je te mets les droits. 2 secondes, je les trouve. Ah non, tu peux parler, c'est bon. Oui. Salut Marandem. Ça va? Ça va et toi? Enfin, après ta Ça va qualification après bien? 2 secondes, j'imagine que ça va pas trop bien. Non, 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 mais de toute façon, je voulais partir dernier, donc. Mais dites-moi que vous avez vu entre Stéphane et moi, dites-moi que vous avez Oui, vu. on a vu. Bah en fait, je me Vous avez demandais. vu beaucoup de trucs ou pas? Parce que Pas c'était beaucoup de viril, trucs, comme on j'ai dit. pas beaucoup de trucs, enfin j'étais des fois sur vous, mais le truc c'est que je me demandais, ils savaient pas de consigne d'équipe, parce que Ah non. vous étiez sur des stratégies différentes en fait. Ah non, non, mais en fait, il n'y avait aucune stratégie là, c'était vraiment. Ouais, Stéphane, en fait, t'avais la moitié de son élan pété, j'arrivais pas à le passer, et donc c'était viril. C'était très Là viril. bah, Mais vous avez. on Ah, a. mais t'as pas vu les batailles un peu à la limite, Si, si, limite si, si, de. si, t'inquiète pas, vous étiez à un moment dans une droite de départ, vous étiez genre. Enfin, t'as essayé de passer dans le premier virage à un moment, donc bon. Enfin, dans le Ah premier. non, mais j'ai essayé partout, c'était un Non, enfer. on a vu, on a vu. Bah, c'était un peu difficile, surtout les pénalités sur ce circuit, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, mais là on était. En fait, le Rusty Fou et moi dans la Liga, on est ultra sérieux, on s'aide et tout, on fait des trucs ultra sérieux. Autant là, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Enfin, je veux dire, c'était. Enfin, si t'avais tout vu, tu verrais. C'était à la limite, limite de j'ai le droit de le faire. Hein, parce qu'on se mettait les trucs, mais il n'y avait plus de respect, on s'en foutait. Parce que comme en fait, on se bat jamais en Liga, on ne se bat jamais parce qu'on. Voilà, on pense aux constructeurs parce que c'est ce qu'on essaie d'aller chercher, mais on se bat jamais. Donc on s'explose la gueule, clairement. Là. Il n'y a plus aucun respect. Là. Là, il n'y Ok, avait plus de ok. respect. Mais là, il va y avoir le round 2. Donc si tu vois Stéphou et Maranem coller, regarde parce que je sens que ça va faire encore très Bah très mal. t'inquiète pas, Ouais, je bon. prends note. Bah là la course va redémarrer, du coup je te Ouais, remonte dans le salon. ça marche. Bah, je me déplace, C'est t'inquiète. Allez, assez court. à toutes. À toutes. Petite interview avec Marindem, ça fait toujours plaisir. Alors, je reviens 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Bonjour, désolé. Rebonjour driver, attends, je fais juste un truc de zone et Alors, je reviens. est-ce que t'as interviewé Marindem? Non? Attends, je t'ai dit 2 secondes, je reviens là, je suis. J'ai un truc à faire, 2 secondes. J'arrive. Oui, c'est bon, normalement, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai fait mon petit truc que Alors. j'avais à faire. Et oui, j'ai ramené ma rendez-vous dans le salon Donc. quand t'étais pas là, effectivement. Je me permets de boire un peu, désolé. Que s'est-il passé? Ben, on a Babtou qui a réussi à gagner la course devant Wookie. A réussi à le passer. Bah, tout très costaud. Toujours, hein. Toujours, toujours. Ah voilà, c'est quand je pars que ça parle dans le chat. On est parti. On est parti. Chargement. Pour ceux qui ne se rappellent pas, un gris inversé, c'est-à-dire que les premiers partent derniers, les derniers partent premiers, sauf Ezekos qui a abandonné, du coup il partira dernier de dernier. Bah tout partira avant dernier.
Ouais, sinon Maradem nous avait dit de regarder encore sa bataille avec Stéphou, parce que c'est vrai que sa bataille avec Stéphou lors du premier round était assez impressionnante. On n'avait pas tout vu parce qu'il y avait d'autres batailles, mais c'est vrai que c'était assez musclé entre les deux pilotes Renault, deux pilotes rapides. Il nous avait confirmé dans l'interview qu'il nous a fait qu'ils viennent de nous faire. Malheureusement, je vais être obligé de regarder le live encore une seconde fois pour voir la course. C'est génial. Non, j'ai pas compris, désolé. Il faudra que je regarde le live une seconde fois pour voir la course. Ah oui. Bah, je suis content, ça m'a pas fait crash. Ah mais tant mieux, en plus t'as crash au plus mauvais moment, au moment où je devais partir. Genre au milieu. Alors qu'on est parti pour le tour de formation. Comme je disais, Dico soit Basmol. Et voilà, donc bien sûr Valou, comme à son habitude, qui part devant. Dédé qui a plus de sanctions, mais il peut se le permettre, mais bon. On n'oublie pas de tout activer. ouais, effectivement, je vous le dis tout le temps, merci de me le rappeler. On va pas Oh, t'inquiète pas. Intervalle, Et, ayant connu le moment où j'étais pilote, c'était quand même assez frustrant de voir comment des fois c'était pas les bons parmi nous. On a le deuxième Choumachev, oui, qui est deuxième, ils font la course déjà. Basmo qui est dernier, bon, ben voilà, bien sûr, encore il y a un bug de. Basmo qui a abandonné ou pas? Pazmo qui. Non, dans mes souvenirs, il y avait Kedikos qui avait abandonné. Bah, il y avait Riquel Voilà, bon, aussi. bien sûr, Non, il faut Riquel. voir les, Bah, je sais pas. voir les défaillances du channel FMIRS. C'est un peu compliqué. En tout cas, je sais qu'Ediko avait abandonné, ça c'est sûr et certain. Riquel, je suis sûr et certain qu'il avait abandonné. Basmo, je Du sais coup, pas. on a Riquel, Zor, Evan, Valou, Schumacher, Alonso, 4HO. 4HO 6ème, lui, il est toujours au bon endroit, au bon moment, cette fois. Ben, Il 7ème, faut comme faire attention à 8ème. Schumacher, il est Non, mais là, de toute façon, clairement, Valou, Schumacher, s'ils ont l'opportunité, ils peuvent Ouais. éventuellement essayer de s'envoler. Il faut faire attention aux deux là parce que mine de rien c'est pas c'est des clients. Basmo, bah, sûrement qu'il a fini, Alors. Mais il a sûrement abandonné, donc du coup, Je saurais pas c'est pour ça dire. qu'il est sûrement dernier. Je saurais pas S'il est dire dernier, ouais. c'est pour ça. Je saurais pas dire ce qui se passe avec Basmo, pourquoi il est dernier, mais. À moins qu'il ait remonté, il a fait une folle remontée qui a été promis, bon. Ça m'étonnerait. C'est. Ah non, c'est pas, j'y pense ça pour être méchant, c'est juste que ouais, voilà. C'est pas lui qui a gagné la course. Bref, on va se mettre sur le cinquième. Milieu de ligne. On attend que tout le En monde. effet, moi je vais mettre sur Marindem qui m'a rembarqué peut-être. Non, je vais mettre sur Marindem, vous verrez bien. Rendez-vous au premier Sinon, virage. je crois qu'il était 16ème. Ah, je peux pas te dire, j'étais pas là. Et on a un très bon départ de Ouais, très The bon départ de The Raven, mauvais départ de Riquelme là Ouh, qui perd Valou tout son qui met un coup de droit positionnement. sur ma chèvre. Je sais pas si ça s'est vu ou que Et ça on s'est a vu. ouais on a déjà The Raven qui sort mais qui s'envole déjà. C'est plutôt propre. Voilà, pour l'instant, mais tous les pilotes sont bien tous passés. Ouh là là, ouh là Ouh là dans là les là. pommes, on a Ouh 4 HO là qui. là là là. Rookie On a qui tape 4 HO. HRZ. 4 HO Et qui est parti à 4HO. la faute. 4 HO qui est parti à la faute et qui aura tout à refaire là. Je pense qu'il a bien perdu un peu de rond. Dommage. Alors là, il y a eu des accidents. Là, il y a 4HO qui s'est fait emporter. Pour une fois que c'est pas moi, il pourra pas gueuler. Benji qui dive bomb. Ouh, Benji qui dive bomb mais qui tape DJ No Live. Oh là 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 On l'a vu, là. Benji, les freins, les freins. on a vu la conséquence du dépassement. C'était pas joli à Ouh voir. là là. Edric dans le Donc mur. Edric dans le mur. on a une force India. On a une force India dans le Choumachev. mur. C'est On a Choumachev. Choumachev dans le Choumachev mur, qui on a est. Hendrix dans le mur, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ah, les joies de la grille inversée. C'est Kyuzai qui va pas être Choumachev content, qui. c'est Kyuzai qui va râler. Aïe! Après on Quoi? a Babtou à l'extérieur qui sort, qui est dans les graviers! Oh, ça aurait Ouais, dû il peut avoir avoir des des conséquences conséquences, ça. hein. Je Là dis ça là parce là 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 que. là là. Ouais, et. On a attention, on a Babtou qui rentre au stand, Benji TV qui rentre au stand, on a aussi également une McLaren, Rookie qui sort de stand. Non, je sais pas ce qu'il fait. Donc là, je dis ça parce que t'es chez Force India à ce moment-là. Changement d'aileron pour Benji, changement d'aileron pour le Alors, 4HO, bah, changement tout ne d'aileron. change pas d'aileron, il est juste rentré au stand, c'est tout. Ok, Babtou qui va faire comme à son habitude, il rentre au stand, il va aller jusqu'au bout. Ouais.
5 secondes. Non, Stéphane Gaudet, 5 secondes. Grappolisson et Riquel. Qui est encore out. Riquel encore out. Voiture du côté, safety car. Safety car, donc du coup, voilà. Encore une belle opération pour Babtou, Catrasso et Benji qui sont arrêtés. Wow. C'est un arrêt gratuit. C'est de la sorcellerie. Babtou, docteur. Alors attendez, on a un problème. On a Horizon qui est en fantôme. Oui. Ah non, c'est bon, il est revenu. Docteur Safety Car, Babtou, Docteur Safety Car. Et donc si on regarde au niveau des places gagnées et places perdues, on a tout simplement Basmo qui gagne 11 places, c'est sa plus grosse performance. Et on a après en pilote qui roule encore Benji 4SO qui ont perdu 10 places, donc la plus grosse perte. Mais si on prend la plus grosse des plus grosses pertes, c'est Monsieur Riquel qui perd 17 places, tandis que Schumacher en perd 16. Dext 5. A voir si et voilà, tout le monde contre stand. A voir si c'était le bon move de s'arrêter. Parce que je sais pas ce qui s'est quand Babtou s'est arrêté, il y avait la safety car. Je pense que c'est bon move parce que tout le monde s'arrête au stand et donc du coup ça va profiter à Babtou de gagner quand même quelques places. Le truc c'est voilà, que on commence à accélérer. Le truc c'est que comment dire, quand il s'est arrêté, la safety car était pas sortie. Je sais pas s'il était sorti. Non, elle était pas sortie. Et donc là on peut voir que Babtou. Et voilà, bah, Babtou va gagner des places. Alors ça. Alors les pénalités vont sûrement tomber là avec les déplacements qu'il va y avoir. Mon avis, c'est un peu fort de ça. 4SO qui dépasse Rookie. Et on peut voir que Stefo Horizon et Maradem ont chaussé les médiums. Ça me donne Fumble premier avec des pneus soft. Et il a son coéquipier derrière. Deuxième. Donc peut-être qu'ils vont jouer le jeu d'équipe. Peut-être. A voir s'il va pas laisser passer JB ou bien s'il va pas essayer de faire envoler son coéquipier Fumble. Et 5 secondes de plus. 5 secondes avec Dikos. 5 secondes encore. Normalement, les pénalités peuvent être retirées si tu staffes juste que c'est pas possible. Oula, la Valo qui a failli titiller le derrière de No Live. Ouais, de No Live. Assez compliqué sous safety car de respecter les zones de sécurité, mais on demande aux pilotes de le faire quand même. Surtout, oui, des fois les pilotes peuvent freiner. Enfin, c'est compliqué. On peut voir que Stefo Horizon. Et Maradem chauffe déjà leurs pneus, ils sont médiums, ils ont besoin d'être chauds. Alors au niveau des arrêts, tout le monde s'est arrêté, sauf Fanboy. Ah, oulala, ça touche. Ouais. Oh, Rookie, ça fait... Oulala, Rookie, 4SO, Rookie dans le mur. Rookie 4SO dans le mur. Rookie qui abandonne. Enfin, Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il abandonne, mais en tout cas, il a quitté la session. 4SO qui est pas chanceux. Fumax. Qui doit être Fumax aujourd'hui. Hein. Qui est pas chanceux aujourd'hui. Ah non, je peux te dire dernier, que là, il à mon avis. Ouais. À mon avis, dans le channel où il est, ça doit. On a No Live. On a No Live qui nous fait un club made aux arrêts au stand. Oulala. Qu'est-ce qu'il fait No Live? No Live, club made. Ah, c'est bon. Et No Live qui reprend. Non, c'est un bug, je pense. No Life Club met dans les arrêts, son... why not hein, je pense que c'était un bug. Je pense aussi, mais bon. Ça lui fait pas du des arrêts, tout le monde s'est arrêté, sauf Funboy, JB et Dikos qui ne se sont pas arrêtés. Voilà, on a le topo, donc Funboy, JB et Dikos vont perdre beaucoup de place. Malheureusement. Après avoir, hein, Funboy a des pneus jaunes, du coup... Si les pneus violets derrière s'usent trop vite, bah... Il y a moins qui s'envolent. Surtout que les pneus jaunes ici sucent. Enfin, déjà, les pneus de base sucent pas beaucoup. Alors en plus, s'il a des pneus jaunes, c'est entre les pneus. C'est JB qui a fait la mauvaise opération, on peut s'arrêter, je pense. Il y a moins qui joue le jeu de son coéquipier là. Je sais pas si ça se fait trop en Ligue 0, mais. Il y a moins qui fasse le jeu de son coéquipier. Ça peut se faire, oui. S'il joue vraiment le. La stratégie. Raikkonen qui a quitté la session. C'est Safety Car qui s'éternise, hein. Et les Kangourous maintenant. Et elle rentre ce tour. Ouais, elle fin de la safety car. Alors là, pour vous dire, les batailles vont s'enchaîner. Hein. Et c'est Funboy qui va relancer le départ. Et il essaie de nous faire un joli restart. Alors moi, je vais aller voir au niveau de Babtou. Parce que. Bon, comment ça va se passer. Peut-être même Benji, j'y arriverai. Tiens, il va Benji. Si
s'est passé Hydrix. RIP à Hydrix. Ouh, et Digital Life qui touche Maradem et qui loupe totalement son départ. Maradem qui attaque déjà Babtou. Voilà. Alors qu'on a JB, ouais, voilà, Funboy qui laisse passer JB totalement. C'est une bonne stratégie. Ouh, et une Red Bull, Horizon dans le mur. HRZ. Il a fait exactement comme ça. HRZ qui a pris des leçons, je pense. Ouais, je pense qu'il est sorti. Il a cassé un bout, Parce que j'avais vu ce qu'il est sorti et qu'il est retourné en plus. Oui, on voit qu'il a cassé côté droit. Bon, rip Pepperoni, c'est Hydrix. The Raven Fanboy, bataille The Raven Fanboy. Valmore, 5 secondes. Marad, ouh, Valmore qui va faire. Il fait volontairement se foutre dans le mur. Alors, il faut voir qu'il est en train de prendre la pelouse. 10 secondes de pénalité pour Valmore. Oui, ça, oui, mais il fait exprès. Je sais pas si c'est autorisé. Ouais, il va. C'est déconnecté. Intentionnellement ou pas, je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais... on a Stifou qui est déjà 3ème. Stifou qui est déjà 3ème, mais je pense que c'est arrêté. Oui, c'est arrêté. Stifou s'est arrêté déjà 3ème. Babtou 4ème. Stifou qui est déjà 2ème. Hein, ouais. Qui... y a... Babtou, plus sur Fanboy. Ouais. Bah, Fanboy qui perd les places là. Mais mine de rien, JB qui est. Qui est 2 secondes devant Stifou. Faut voir si. Il remonte, alors que Nabatou qui coup d'à coude, enfin pas au coup d'à coude, mais qui est juste derrière c'est fou, qui est collé à ses basques. Et JB du coup qui fait le meilleur tour vu qu'il a personne avec lui, logique, c'est peut-être la bonne opération. Ah, JB son objectif c'est de s'envoler et de s'arrêter et de. Essayer de ne pas perdre trop de place. Hein. Alors Rickel qui me dit la deuxième, de manche de la grosse, il laisse aucune chance, suivant, ça devient vraiment n'importe quoi, bref. Alors ça, il faudra le débrief sur le Discord, on ne peut rien faire. Ça malheureusement, Rickel, c'est ce qu'on se doutait, hein, que quand tu mets les plus rapides derrière et les plus loin devant, forcément, ça veut montrer qui est plus fort. On peut l'entendre, hein, mais bon, c'est pas nous de résoudre de problème. Malheureusement, la course c'est un principe. Babtou qui attaque, là il bloque les roues un peu. 4 à chaud sur The Raven. 4 à chaud sur The Raven. Oui, propre à l'extérieur. The Raven, bloc de vitesse. Ouh là là, on a Dikos qui est sorti très large. Et Dikos, Basmo, ou la Dikos qui se. Et malheureusement, il joue avec un plâtre, donc ça se voit. Il me semble que Dikos il a un plan. C'était fou, j'ai bien 2 secondes 8. Comme quoi, il y a moyen. Sachant, attends, il faut voir les pneus de c'était fou, il est en médium. Donc JB va fatalement ressortir derrière lui. Après, JB va ressortir en soft. Digital Life sur Fanboy, sur Alonso. Digital Life passe, sur très bien. Non, sur Alonso, pardon. Mais ça passe. Ouais, hop. Et là, le DRS. Prochaine bataille. Babtou, c'était fou. Ouais, j'ai raté. Ouais, ils sont encore en bataille. À l'épingle, Babtou qui plonge et qui réussit, après il a pris sa chance. Et on a Maradem d'ailleurs hein, qui. Mais du coup, le fait qu'ils se battent, ça donne encore un peu d'espace à JB. Ah, clairement, oui. On peut voir que c'est à 2 secondes 8, 3 secondes à peu près. Fanboy, 4 à chaud, ils sont proches. Ouais. On a Opti aussi, Benji, les batailles sont de partout. Opti Benji, c'est très proche. Au petit Benji. Et là, il va pas tenter. Ouais, il va pas tenter. Au petit qui ont plus violé, il faudrait pas qu'il perde trop de temps derrière des pneus jaunes. Oui, mais à mon avis, là, tu restes heureux parce que ça va se dépasser sur la grande ligne droite. Puisque Basmo, clairement, il est en perdition. Enfin, je sais pas si ça se passe beaucoup. Merci pour le don. On va voir tout de suite qui c'est. Dans quelques instants, on va cliquer pas. Bah, tout meilleur tour, on est 14 avec des softs. Celsius qui a donné 5 euros. Merci Celsius, encore 5 euros. Ça devait 10 euros au total. Benji, 3 secondes. Celsius ouais, qui est l'argent, qui a gagné grâce à Belmer. On a Babtou qui remonte sévère sur JB, hein, les pneus de Krasov. C'était évident, attention là, bataille Benji, Basmo. Ouais, Benji qui s'est pris de Opti, Basmo. Moi je suis sur Opti là. On a aussi là-bas, qu'est-ce qui. Non, ils sont trop loin, ils t'entendent pas. Bah, on a Izikos derrière RF1. On va d'abord voir les points qui sont attentés au Opti. Non, ça va plus trop. Ouh, The Raven, Fanboy. Izikos qui va passer à la fin dans les points là. Ah, en effet, oui, Dikos. Quoique. Très proche aussi. Ouais, non, c'est bon, il a. Non, mais c'est passé. Ouh, non. Ouh.
C'est ben un voilà. changement de trajectoire pour le coup. Là, je peux dire, Zico, je suis désolé, mais un changement de trajectoire. Alonso qui fait exactement ce que j'ai fait à Kusai et Benji durant des entraînements. Alors, je suis désolé, j'Alzheimer, mais Zico, donc Zico, c'était devant. Était devant Alonso. Attends, je vais revoir le replay. Ouais, j'ai le replay. Il s'est rabattu trop vite. Ouais, un changement de trajectoire, exactement ce que, ouais, ce que je pensais. C'est voilà, Deco qui a mal jugé la distance et qui s'est rabattu trop vite. Alors là, le fautif, je dirais plus que c'est un fait de course. C'est bon, c'est alors, ça sera pas moi d'en juger, mais c'est pas Alonso. Oui, mais cas, je pense que ça va peut-être se finir sur un fait de course. Deco, à mon avis, c'est pas un rancunier. Il sait très bien que. C'est pas voulu. Mais du coup, il va rentrer au centre. Enfin, après, voilà, on verra bien. D'ailleurs, la Mercedes est très belle sur The Raven. Basmo The Raven. Ouais, Basmo sur The Raven, ils sont droits, ils sont trois. Au petit Benji. Au petit Benji, on les en arrière-plan. Alors qu'on a Basmo qui se avec Benji qui ferait très. Oh, il y a un lag là, ouais, ça lag un peu. Bon, oui, il y a un lag. Heureusement que c'est juste un lag. Opti qui est passé sur Benji, et si proprement. À Charles Edmure, ouais, bah tout qui est passé devant. Devant JB qui s'est arrêté. Oui. Babatou, je crois. Est-ce que Babatou va pouvoir aller à la fin? C'est ça la question que je me pose. Oui, mais clairement, il va y aller. Parce qu'après, dans un tour, il sera à 8 tours, il aura 18 tours sur ses pneus, il va le faire. Ouais, donc, tout ce genre de mec, tu sais pas comment il fait, mais il y arrive. Il y avait un peu d'écho dans le micro d'arrivée, mais aussi, c'est parti, ne t'inquiétez pas. Ah bon? Ouais, non, on entendait juste quelqu'un, c'est tout. Alors je sais pas si c'est l'écho ou le ventilateur de mon... Non mais si vous avez entendu une fille, c'était ma soeur qui est venue parler, voilà. Et on a aussi, oui bien sûr, une séance érotique entre Zerven et Basmo. Je suis assez, oui. C'est moi qui fais des cobalt, je sais pas, des fois ça part et des fois ça revient, du coup je sais pas vraiment ce que c'est. Peut-être c'est dans mon casque, peut-être qu'on entend mon casque. Des organisations pas pour l'instant sur, Celsius, donc, pour l'instant c'est que sur les fins 2019, peut-être que la saison prochaine on aura une surprise sur un autre jeu, je sais pas, mais pour l'instant non. Alors moi quand je. Ouh là là. Quand je ramène le sujet, on me dit que je suis fou et que j'entends des voix, du coup je pourrais pas te répondre, mais il y a Kusai pour t'aider dans le chat, il sera ravi. Ouh, Diginalife à Benji. Benji, ouais, Diginalife qui a freiné, clairement il avait peur de Benji à mon avis. Ou je sais pas, mais il a freiné. On loue des batailles là hein. Ouais, comme je disais, Celsius, il va falloir poser la question au moins qui vous aille. Moi, je pourrais pas te répondre, désolé. Sur Ride 3 pour la moto, ça vous intéresse pas? Malheureusement, on peut pas jouer avec un volant sur avec un jeu moto, donc je pense que ce sera pas. Plus tout ce qui est monoplace. Mais. Nos lives sur Benji, toujours. Alors, ouais, qu'on a un Marin Dem. Tous les jeux avec des monoplaces. Marin Dem derrière, c'est fou. Ils ont les mêmes pneus. 4 dixièmes, même tour, en effet. 4 dixièmes. Ils avaient dit de les regarder. Moi, je suis sur Digino Life Benji pour l'instant. Ouais, tu vas garder un œil sur ça. Ouh, DJ qui a perdu la voiture dans le North Curve. Perd du temps, du coup, sur Benji. À mon avis, il va passer. Et c'est fou à l'intérieur. Bon, on peut voir que les pilotes Renault se battent pas du tout. Ah, oh là là, aussi. Oh là là, Diginalize sur Benji. Diginalize sur Benji. Benji, il va freiner tard. Non, il va essayer de le couper. Un magnifique bataille entre les pilotes Renault là, ils sont très proches. Hein. Maradem 3 secondes là, c'est dramatique pour lui. Maradem a déjà eu 5 secondes, il me semble. Hein. Oui, je pense. Mais c'est pas noté malheureusement. Je pense mais que c'est faux, ça avait une pénalité. Mais ouais, ils vont continuer à se batailler, ça les empêchera pas. Mais ouais, dommage. En tout cas, voilà, Donald est passé sur Benji. Benji ouais, qui a essayé de. On a Provençal qui remonte derrière. Edico 5 secondes, bon, sa course est déjà compromise. Ouais, malheureusement, Edico, lui, c'est pour lui, je pense que sa course elle est finie. Bon, il marquera quand même des points vu qu'il finit la course si je comprends ce qu'on a dit. Oui, mais dans 5 tours. Dans 5 tours. Dans 5 tours, oui, effectivement, dans 5 tours. Je viens de comprendre pourquoi tu m'as dit ça. Dans 5 minutes. Oui, parce que c'est le tour, c'est 1 minute 17 à peu près. Oui. JB 3 secondes, dommage. En effet, mais JB qui a, voilà, il est passé de premier à 10ème, on s'arrête. Maradem encore à l'intérieur. Maradem, c'est fou. Non, Maradem qui va Maradem qui est resté à l'extérieur. Alors qu'on a encore un don, je te demande. Oula, Celsius qui a fait péter la carte bleue, qui va faire un abonnement à Brou, à Rickel, à Polo. Oula, c'est quoi ces noms?
Il a offert 5 abonnements, merci à toi Celsius. Merci Celsius, c'est très gentil. Si jamais t'as trop d'argent, hein, petit nom. Du coup, bienvenue à My Infinity Snake, bienvenue à Rickel, bienvenue à Polkwan1, merci à... Mais non, ça c'est... Ils ont fait des abonnements aux mecs déjà abonnés. Oui, mais ils sont quand même abonnés. Donc, re-bienvenue si vous étiez déjà abonné et bienvenue si vous êtes abonné. Oui, voilà, oui, c'est vrai, bienvenue. Alors que j'ai toutes les notifications qui pètent de partout. Voilà, Polkwan01. Alors qu'on a battu le meilleur tour, drapeau jaune dans le secteur 3, tu peux me dire ce qui se passe? Où je regardais, c'est... Alors qu'on croule sous l'argent de monsieur Celsius, c'est vraiment gentil. Du coup, j'ai pas les notifications. Le drapeau jaune, je ne sais pas. Désolé. Ouais, non, c'est... Maradem, c'était fou, 63ème millième bref, bataille. Ouais, encore les deux, mais on va essayer de changer un peu. On a The Raven derrière Basmo, il a 5 dixièmes. Alors qu'on a Baptou qui s'envole. JB Benji. JB Benji, effectivement. JB Benji, pour la ligne droite. Extérieur, oui. JB qui va passer assez facilement. Ouais. Mets-toi sur Benji pour savoir que ce qu'il va faire. Freinage tardif peut-être pour Benji. Il va peut-être y aller? Non. Ouais, un peu trop loin. Non, il va pas. Quoique, Benji, c'est osé, là. C'est osé, mais ça aurait pu marcher. Dommage, il a essayé, c'est pas passé. Du coup, vu qu'il a pris l'épingle un peu courte, bah il se retrouve un peu relégué, mais bon, il va pouvoir monter. Il reste 4 tours et demi. 4 tours et demi pour être dans le top 10. Non, il est déjà dans le top 10, du coup, pour être dans le top 10. Et ce Raven qui a ses dixièmes de base. Hein. Attention. L'Alfa Romeo, hein, très belle voiture. J'aime beaucoup la simplicité de cette voiture. Très belle voiture. Encore plus en 2019, mais bon, bref, on va pas pour parler de ça. On va se faire une board avec lui. Drapeau jaune dans le secteur 3 encore, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on a Alonso. Ouais, on a Alonso qui s'est fait passer. Ouais, dans ça, je pense qu'il a pris de Basmo 3 secondes. Hein. Je pense qu'il a pris le vibreur un peu trop à l'intérieur, du coup la spin, ça m'arrive souvent. C'était non, il laisse passer, il se prend des tours. Parce qu'il se prend des tours de retard. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais why not, du moment qu'il ne fait pas de crash ou quelque chose. Stefou Maradem. Encore une fois. Est-ce que... Ouais, Maradem peut-être à l'accélération. À l'intérieur, oui, à l'intérieur. Et est-ce qu'il va pouvoir rester à l'extérieur? Stéphou est toujours là. Hein. Maradem à l'extérieur, non, c'est un peu court. Non, toujours derrière. Fanboy Opti, attention, ils sont très proches. Fanboy Opti. Ouais, toujours. De toute façon, clairement, les batailles potentielles, c'est Funboy Opti, Maradem, c'était fou hein, pour l'instant. Donc, le reste, on a des 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Donc, bon. 4 à chaud, malgré ce qu'il y a eu. Belle remontée, avec 5ème. Ouais, sa course avait mal commencé malgré, pour le coup. Oui, très très mal commencé. Et il a des pénalités. Il faudra voir. Oui, après, on verra très bien après les pénalités, mais à mon avis, le classement n'est pas fixe, loin de là. Merci Celsius pour l'abonnement à Adrix, du coup bienvenue à toi Adrix. Bon, labo ça donne de l'argent je crois la chaîne Kuzai. Ça donne de l'argent périodiquement. Fanboy, 3 secondes. En contrepartie t'as des émotes et le joli casque à côté de ton pseudo. N'oublie pas de réactiver la télémétrie. Ouais. Là où tu l'as désactivé. Pourquoi elle est désactivée? Pour revoir tout ce qui est ERS. Fanboy sur Opti, oui, Fanboy qui prend l'inspiration. Fanboy qui n'a plus de RS tandis qu'Opti en a encore un petit peu. Et Opti qui reste. Oh là là. Oui, bon, bah, Fanboy n'a vraiment pas, n'a pas cherché à se... Les deux sont à 2 degrés du coup. Mais ils vont pas se lâcher avant la fin, je le sens. Alors que la Maradem qui est un peu descendu par rapport à tout à l'heure, il a 6 dixièmes. Là, ils se sont un peu lâchés. Et à part ça, les écarts sont à peu près stables, on n'a pas de... Il n'y a pas de gros écarts. Non, il n'y a que Fanboy Opti. Ouais, la bataille du moment. Avec Fanboy bien sûr en vue extérieure parce que sa mode vitesse elle bug. Allez, Fanboy qui perd un peu de temps dans sa jump, peut-être un peu moins là-dessus. Ah, Maradem qui remonte sur Stefou, à mon avis c'est dans la ligne droite, c'est ça clairement. Oui, on va sur lui. Benji qui 3 secondes, ça lui fait 6, 11 secondes il me semble, si je me trompe. Ouais, qui bloque un peu. Et mine de rien, Stefou Maradem qui garde un rythme, enfin un gap de 2 secondes sur Baptou alors qu'ils sont médium et Baptou en jeu. Je sais pas si les médiums ont le meilleur choix ici.
Peut-être que Babtou, à mon avis, c'est plus commence à crier. Allons-y au troisième encore, inversement répété pour virage coupé. Bien sûr. C'est très facile. Alors on va essayer sur Babtou pour voir si c'est plus comme ça. Babtou qui commence à aller. Babtou qui sont clairement s'il n'arrive pas à mettre de l'écart, c'est que à mon avis ses pneus doivent être abîmés. Ouais, je pense qu'il gère juste, hein, il a pas besoin de. Oui, là il va clairement rouler safe. Dernier tour, on est parti pour. Dernière chance pour Maradem, ouais, sur Stéphou. Mais bon, après, si Stéphou n'a pas de pénalité, Maradem repassera forcément derrière. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ou pas? Je ne pense pas. Pour l'honneur, allez. Ouh, en plus, il me semble. Il a failli partir dans le mur là. Il a failli nous faire une Vettel. Maradem a failli nous faire une Vettel, il s'est bien rattrapé. C'est un pilote d'expérience, on sait qu'il a l'expérience. Après, on aura Fanboy Opti. Ouais, il faut qu'on se remette sur l'autre parce que une fois que cette ligne droite sera finie. Pour Maradem, c'est. Tu restes sur Maradem. Voilà, c'est bon. Fanboy Opti. On va pas tarder à y aller. Oula, Fanboy qui est très loin. Ouais, un peu loin. Je pense qu'il a un peu moins d'appui. Il reste sous le service. Non, ça peut le faire. Mais il a le RS3 et les PRS. Donc Ouais, mais son ERS est très usé. Alors que Opti devant lui, on a plus. Je pense que niveau course, les classements vont rester figés. Mmh. Il n'y aura pas de changement. Non, il n'y aura pas de changement. Je vous souhaite pour Babtou pour la victoire. Victoire de Force India encore une fois dans la deuxième course. Victoire de Babtou dans la course 2. Stéphou, deuxième. Maradem, troisième. Provençal de Gaulois qui est peut-être passé devant Maradem avec les pénalités. Et oui. Le Gaulois 3ème, 4ème, quatrième, Maradem qui est 5ème. Ouais, 5ème, ouais, j'avais beaucoup de finalité, il avait beaucoup attaqué pour. Ouais, mais je pense qu'ils ont pris beaucoup de feu. JB qui est passé devant No Life à cause des pénalités, Benji qui va perdre sûrement aussi sa place face à Opti, voilà. Benji content, mais Opti qui passe devant Benji TV. Funboy 12ème, Horizon qui va finir aussi. Alors, comme interview, est-ce qu'on ne ramènerait pas Maradem, mais c'est fou. Je sais qu'on a déjà interviewé, mais leur bataille était épique. Bah, demande qu'il veut une interview, si personne, va ramener le. Alors, on va voir qui réagira le premier. Après Maradem, vu qu'il est déjà passé. Oui, on peut le refaire passer. Avec ses fous, ouais, ça sera intéressant. En tout cas, au niveau. On va prendre les pénalités en compte. Alors que le classement définitif va s'afficher dans quelques instants. On a le podium, 3 Français sur le podium évidemment, hein. Et sur Ligue Française. Ça serait bien si ça pouvait être comme ça IRL. Peut-être un jour. Du coup, Babtou qui était impérial aujourd'hui, 2 courses, 2 victoires. Pour le coup, on en a tiré, on a retrouvé le Babtou des grands jours. Même en Ligue 0, comme quoi. On verra si dimanche il fera le même résultat. Du coup, classement définitif, on a Babtou premier avec un peu d'avance sur le deuxième. Désolé, je peux voir. Ouais, 6 secondes. Sur Stéphou, en comptant les pénalités, on a Provençal 3ème. Bonne performance du nouveau pilote sur F1 RS. 4HO 4ème. Très belle remontée de la part d'un 4HO. Il n'y a pas de driver of the day sur la Ligue 0, mais moi je le mettrai. Je mettrai Driver of the Day, sachant que sa course n'a pas été facile. Pas du tout facile. C'est vrai qu'elle n'a pas du tout été Maradem, facile. Maradem 5ème, dommage, il a beaucoup appuyé pour batailler avec Stéphou. The Raven 6ème, Basmo 7ème, JB 8ème, No Life 9ème, Opti 10ème, du coup qui finit derrière JB. Benji 11ème, Funboy 12ème, RF Alonso 13ème, 14ème Horizon, 15ème Edico, 16ème Valou. Valmore plutôt, désolé, et j'ai pas eu le temps de finir. T'étais rendu où? Alors moi je vais mettre le masque et je vais demander. Enfin si des gens veulent venir interview, parce qu'on va devoir bientôt couper le live. C'est fou et chaud pour interview. Essaye de le ramener avec moi. Instantanément. On va donner le rôle. Comment je fais ça? Hop. Ah, je suis débuté. Bonjour Stéphou. Bon. Oui, bonsoir. Pardon, j'ai pas mis les droits. Bonsoir. Salut Stéphou, ça va?
Ça va et vous? Bah alors, c'est pas bien de se batailler sur la piste entre coéquipiers comme ça. Là. Bah ouais. Si, c'est ça qui est fun. C'était viril mais correct. Oui, on oui, peut pas le retirer. On était sur vous beaucoup. En effet. Vous étiez sur les mêmes pneus, vous étiez... Ouais, c'était... Ouais, on a fait exprès. C'est pour ça qu'il était le meilleur, parce que... Maradame, il croit toujours que c'est lui et le meilleur, voilà. Alors qu'au final... Sur la piste, ça mesure sa taille de zizi... Pardon. Voilà, on a voulu... Maradame, s'il veut venir. On a voulu peu... peser les coronets, et puis bon, au final, on a vu qui était le patron chez Renault. Hein. Parlez-nous des pneus médiums un peu, on vous a vu beaucoup bloquer des roues, surtout Maradame. Est-ce que c'était viable de choisir des pneus médiums? Bah, en soi, on était obligé parce que si on s'arrêtait pas sous la voiture de safety car, on se faisait avoir, entre guillemets, donc on s'est dit... Parce qu'en plus, on est parti avec les pneus tendres. Donc du coup, on était obligé de s'arrêter pour mettre les pneus médiums. Après, si on restait sous voiture de sécurité, on aurait été obligé de s'arrêter alors que tout le monde... aurait fait son passage au stand, donc on aurait forcément été dernier dans les derniers, donc je sais pas si au final ça aurait été si possible que ça, cette stratégie. Du coup, on a fait celle-ci. Bon, certes, les pneus médiums sont pas très simples à gérer, mais en soi, ça va. Ok, du coup, tu finis devant... Coucou Salut, rebonjour Maradame. Ouais. Regardez-moi ce nul. Oh là là. Ah, mais attends, Driver ou The Plague, vous êtes toujours dans la session ou pas? Non, on est plus dans la session. Pourquoi la session n'existe plus. Dommage. Bah, je sais pas, tu vois, regarde, c'est fou, je sais pas d'où ça sort. En fait, j'ai pris 8 secondes. Ah, moi, après, et je sais pas pourquoi. Tes pénalités a été stand là. T'as qu'à savoir rouler. Hein. Ah, voilà. Ah, voilà. Alors, 8 secondes de pénalité. Voilà. Ouais, t'avais quand même beaucoup de pénalités. T'as pris 2 pénalités, donc 2 fois 4, c'est bon. C'est fini. Mais c'est quoi la pénalité de stop and go? Mais je pense que moi, c'est que tu t'es pas. T'as été trop vite en voiture de sécurité. T'as touché un mec sous la safety. Ah, aussi, oui. Peut-être ça. Du coup, ah oui! Ah oui, c'est Rickel! Ah oui, je m'en souviens! Bon, c'est pas grave, on enlève. Ah oui! Si, allez, cette scène, si, je m'en souviens, en fait, c'est bon. C'est en fait, il y avait la safety car qui est apparue. Donc la safety car apparaît, je freine. Mais il y a Rickel, lui, frère, il en avait rien à foutre. Il a dit, moi, je continue tout droit. Et au final, il m'a pénétré le fion. C'est cru. En effet. Voilà. Ah oui, non, mais moi, je suis cru. On l'a moi, pas je vu, suis... mais. D'ailleurs, je vais revoir ce qui s'est passé. Du coup, avant de conclure le live, Maradame, parle-nous un peu des pneus médiums comme ton coéquipier. Bah, est-ce que fait, tu penses que c'était la stratégie la plus viable sur ce circuit, parce qu'on te voyait beaucoup bloquer des roues quand même? Non, mais en fait, le problème, c'est que je bloque beaucoup les roues parce que c'est un circuit en fait où il faut énormément freiner, et moi, je suis quelqu'un qui a pas l'ABS en fait. Et donc en fait, comme il faut énormément freiner, que j'ai une pression des freins de 88 carrément sur le circuit, et là je suis à 75. Donc, tous mes points de freinage, en fait, tous les points de freinage, et ben en fait ils sont foutus. Donc en fait je savais pas trop, je bloquais tout le temps. Et ça, voilà. Mais avec un setup, ça aurait été allé beaucoup mieux. Mais donc en fait au départ j'avais pris la même strap que Stéphou parce que je voulais me battre avec Stéphou. Il est nul. Et au final Rickel m'est rentré dedans et c'est. Et voilà. J'aurais dû le passer, c'était fou, mais je me suis raté au dernier virage, donc il m'aurait. Voilà, trop de pression sur ses épaules. Voilà, trop de Maradame, c'est tout. Voilà. J'ai fait une belle course, mais enlevez-moi ma pénalité des stands que j'ai eu. Non, c'est pas une pénalité des stands, En fait, j'ai pas réalisé que j'avais une pénalité. Je vais devoir couper le live, hein. Moi je vous dis à plus, histoire que je leur dise au revoir sur le live. Allez, ça roule. Bah, bisous à tous. Au revoir à tout le monde. Voilà. Alors voilà les gens, on en arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la course. Il y avait quand même pas mal d'action. C'était propre, presque toujours le cas sur la Ligue F1 RS. Moi je vous dis à plus les gens. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve, enfin pas avec moi du coup parce que je roulerai en Liga ce dimanche, mais avec d'autres commentateurs. Vous pourrez voir la course de Liga ce dimanche à 21h. Et ça sera à Bahreïn. Moi, je vous dis à plus. Merci.